Blast, Combo et compagnie sur Raven. Donc l'idée, voilà, c'est de faire des Q-spells avec un minimum de 30% de CDR. Donc là, du coup, on voit qu'on attend le CD ici. Hein. Et donc quand on n'est pas loin de la fin, on en refait un, voilà. Et c'est là qu'on va pouvoir faire le combo. Donc, je vais vous le détailler vraiment en mettant des pauses. Hein. Donc là, on active la Yumu quand on n'est pas loin de la fin. On fait un ER. Le R pendant l'activation du E. Ce qui fait que du coup, voilà, on n'a pas d'animation du R. Et là, on enchaîne avec son troisième Q-spell. On met un clic droit. Voilà. Et là, j'ai cancel l'animation. Ça, c'était une erreur au départ. Et donc, du coup, on va mettre un Q-spell tout de suite. Voilà, clic droit Q-spell, c'est ce que je disais. Et là, hop, on voit que l'animation est extrêmement rapide dans son combo. Ce qui fait que si je le mets en temps réel, vous allez voir que l'animation, c'est très 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 rapide à faire. Voilà, donc là c'est en temps réel. Hein. Voilà, et on voit que la vitesse d'attaque, elle est démentielle. On dirait que Raven, elle a 2,5 de vitesse d'attaque, un truc comme ça sur les automatiques. Je remets les autos aussi vite fait. Hein. Je vais commenter à chaque fois qu'il y a une auto. Donc, hop, on prépare le combo. Et là, hop, on y va en engage. Donc, auto, 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 auto. Voilà. Les hits sont pas forcément... c'est pour les Q-spells. Donc, en l'espace de peut-être une seconde et demie, deux secondes, on a mis plusieurs autos qu'on n'aurait pas dû pouvoir mettre. Voilà. C'est tout ce que je voulais expliquer. Voilà, donc ça, c'est le fast combo Raven.